Ici, donc, vous êtes devant un tableau emblématique du 19e siècle, à savoir la mort de Marie Stuart. C'est un épisode qui est considéré comme étant classique de l'époque, du 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on aime reprendre des éléments et des scènes historiques. Au 19e siècle, on aime reprendre ces scènes du passé et en faire un événement, entre guillemets, dramatique et même théâtral. Durant la période de travaux, ce tableau va être présenté au Musée des Beaux-Arts de Nantes, où il sera mis en corrélation avec leur parcours permanent pour créer un certain dialogue. Alors lorsque le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes nous a fait cette proposition d'accueillir en dépôt des œuvres durant leur période de fermeture, avec les collègues conservateurs et conservatrices du musée d'art, on a tout de suite sauté sur l'occasion et on a choisi et sélectionné avec les équipes du musée des Beaux-Arts de Valenciennes près de 38 œuvres qui vont intégrer et qui ont déjà intégré en partie l'accrochage permanent du musée. Alors l'œuvre d'Abel de Pujol, La mort de Marie Stuart, a été choisie parce qu'elle permet d'intégrer dans la grande galerie d'histoire qui est dédiée du coup à la peinture d'histoire mythologique, littéraire, un bel exemple de cette peinture troubadour et de ce nouveau genre historique qui a consisté en la redécouverte et la théâtralisation finalement des histoires nationales en Europe. Elle s'inscrit particulièrement bien dans le parcours puisque le musée d'art conserve une belle collection d'œuvres de Paul Delaroche, le peintre du supplice de Jane Grey. Il y aura donc à terme trois œuvres monumentales d'Abel de Pujol présentées dans le parcours du XIXe siècle, La mort de Marie Stuart, le baptême de l'Eunuque et puis le supplice du tonneau des Danaïdes. Avant même de pouvoir être transporté, il a fallu faire différentes étapes de restauration. La première chose, ça a été de retendre la toile. Parce que malheureusement, la toile avait créé ce qu'on appelle un ventre de la toile, c'est-à-dire que la partie basse était beaucoup plus lâche que la partie haute, ce qui créait un mouvement de la toile et donc certaines frictions. Donc il a fallu reprendre les châssis, mettre des clés pour retendre la toile et donc recréer une harmonie au sein de l'œuvre. La seconde chose qui a dû être faite, c'est qu'à cause de ces différents mouvements, et aussi parce que l'œuvre n'a pas été restaurée pendant une certaine période et notamment à cause des différents soucis climatiques que nous avons eus, il y a eu certains mouvements entre la toile et la couche picturale qui ont créé des soulèvements. Votre couche picturale et la toile vont créer un certain mouvement et donc on va avoir donc des petites pointes qui vont se soulever. Progressivement, si ce n'est pas traité, l'ensemble peut progresser vers ce qu'on appelle une lacune et une perte de matière. Donc il a fallu agir au plus vite pour stabiliser l'ensemble, consolider pour permettre, donc première chose, une présentation optimale de l'œuvre et une conservation meilleure. L'œuvre a été emballée dans une caisse à Valenciennes, une caisse spécialement faite sur mesure pour la préserver de tout choc et de toute mauvaise manipulation pendant le transport. Elle est arrivée à Nantes dans sa caisse. Une fois qu'elle est arrivée, nous, on l'a évidemment déchargée du camion, puis mise dans notre monte-charge. Et elle est arrivée jusqu'au premier étage du palais du musée où elle a été déballée. Donc on a ouvert la caisse et on a enlevé l'œuvre de la caisse. Ensuite, vu que c'est une œuvre assez importante qui nécessite des manipulations spécifiques pour son accrochage, on avait déjà anticipé au niveau de l'accrochage en calculant en fait à quelle hauteur on allait pouvoir l'accrocher. Donc ça, on l'avait vu avec le conservateur en charge des collections 19e. Et puis avec les transporteurs spécialisés en œuvres d'art qui nous ont aidés aussi pour l'accrochage, on avait anticipé l'installation en mettant deux nacelles de part et d'autre de l'emplacement du tableau pour pouvoir être à même de soulever ensuite le tableau
avec un système de palans en fait. Parce que le tableau étant assez lourd, il fallait le sécuriser pour le monter ensuite et donc pas faire que à bras d'homme. Donc ensuite, on a mis le système d'accroche en place au niveau du mur, puis porter et soulever le tableau pour l'accrocher. Abel de Pujol est un peintre qui reste encore largement à découvrir, même si ses œuvres sont présentes largement dans les collections des musées français. C'est un peintre né à Valenciennes, issu du monde des notables valenciennois, qui part faire ses études à Paris. Il passe dans l'atelier de David avant d'obtenir le prix de Rome en 1811. Et ensuite, il fera une carrière officielle. Il peindra notamment des décors pour des églises parisiennes, Saint-Sulpice notamment, et puis des palais comme celui du Louvre ou le palais Brongniart. Donc l'histoire de Marie Stuart qui passionne les auteurs et les peintres de la période romantique, c'est celle d'une reine d'Écosse, brièvement reine de France, redevenue ensuite reine d'Écosse, catholique dans une Écosse protestante, et qui va prétendre en fait à la succession du trône d'Angleterre, à l'époque occupée par sa cousine la reine Élisabeth. Alors sa vie va être réinterprétée et redécouverte comme celle d'une héroïne romantique, marquée à la fois par les guerres de religion, mais aussi son rapport au pouvoir et son rapport aux hommes. Elle est accusée d'avoir tué son second mari, elle veut son secrétaire qu'on accuse d'être le père illégitime de son fils, le futur roi d'Angleterre, est lui-même assassiné, et elle-même va être finalement condamnée après avoir passé une vingtaine d'années en prison, avoir été déchue du trône d'Écosse, s'être réfugiée en Angleterre. Elle va être condamnée par sa cousine qui l'accuse de complot attentant à sa vie, qui la condamne donc à être décapitée en 1587. Donc dans les années 20, les années 30, les peintres, d'abord les peintres troubadours, Fleury-Richard, Révoil, et puis ensuite plus largement les peintres romantiques, vont s'atteler à décrire différentes scènes, toujours dramatiques, de la vie de Marie Stuart. Abel de Pujol, lui, choisit l'instant qui précède son exécution. On voit à l'arrière-plan le bourreau qui remonte ses manches et qui s'apprête à la décapiter. Et puis le moment finalement qui est presque un des sommets d'émotion. On voit à la fois la reine qui accepte son sort, qui a refusé aussi la dernière consolation du ministre du culte qu'elle refuse, comme Marie-Antoinette l'avait fait en France avant elle. On voit que c'est aussi une image politique hein, pendant la Restauration. Et puis on voit ses servantes éplorées qui tiennent sa couronne dans un jeu qui est finalement très théâtral. Et on voit comment ici l'échafaud est finalement une scène de théâtre à l'époque où la pièce de Schiller de 1800 était réinterprétée à la fois au Palais Royal, mais aussi au Théâtre de la Porte Saint-Martin. On a aussi choisi de présenter ce tableau puisque c'est un chef-d'œuvre de l'art romantique qui consiste à faire revivre le passé par les émotions, mais aussi par la description méticuleuse à la fois des costumes. On voit ici cette robe noire de deuil de Marie Stuart, on voit ses bijoux, et puis on voit à l'arrière ces boiseries gothiques, tout à fait typiques de ce goût pour le gothique qu'on appelle le néo-gothique ou le gothic revival en Angleterre.